Alors, l'un des axes de mes recherches concerne l'évolution des villes, les villes de demain, les villes du futur. Et l'idée est notamment de voir la manière dont ces villes vont s'approprier les enjeux liés au numérique et les innovations relatives au TIC dans ce qu'on appelle désormais l'ère du numérique et qui avait été qualifié par Rifkin de troisième révolution industrielle. C'est dire l'évolution et la révolution en fait. Donc il y a différents axes de recherche au sein de cette ville du futur. On peut les évoquer rapidement, notamment l'intelligence économique, voir comment bien les échanges marchands vont pouvoir évoluer au sein de cette ville du futur. L'intelligence écologique, faire des bâtiments adaptés à l'environnement ou consommant moins. L'intelligence politique, utiliser les TIC pour de meilleurs rapports entre les gouvernants et leurs citoyens. L'intelligence liée au cadre de vie, de manière générale, dans la ville. Et puis, deux derniers, concernant les transports et les mobilités. Et d'autre part, un élément un peu plus complexe qui concernerait l'intelligence collective, le smart people, comme on l'appelle, et qui étudie la manière dont la population, les citoyens, vont pouvoir appréhender ces innovations, ces TIC, pour mieux vivre leur vie.